Bonjour à tous, c'est moi Luce et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un petit bassin sur sa terrasse. Donc, premièrement, j'ai acheté un bassin chez Agritech qui est à 15 000 francs et qui est, a priori, qui a l'air étanche, ok? Ce qui m'évite d'avoir à fermer le fond. Donc c'est un pot de fleurs, mais déjà fermé, ce qui est plutôt cool. Ensuite, des accessoires. Pour l'instant, nous avons des cailloux. Ok. Ceux-ci ont été achetés chez Araka. J'ai acheté aussi du gravier, ok, qui est à 1800 chez Agritech. Pardon, le gravier, c'était Fare Papeava. Et nous avons ici de la terre spéciale pour plantes aquatiques chez Fare Papeava aussi. Bonjour Missy. Petits accessoires complémentaires, des pots en terre cuite à positionner dedans pour les plantes. Alors, pourquoi la terre cuite et non pas le plastique? Parce qu'on m'a dit que le plastique avec le soleil et l'eau, ça tiendrait pas longtemps. Donc l'idée, c'est des pots qui durent, du coup... Je suis partie sur de la terre cuite. Voilà, je suis partie sur du petit format, mais je vais essayer de les mettre à différents niveaux à l'intérieur. Donc pour info, j'ai pris les pots chez Hyperbrico. Donc les prochaines étapes, ça va être premièrement de faire une mise en eau, juste pour que le plastique voilà, perde un petit peu de ses effets toxiques. Donc je vais laisser l'eau pendant une semaine pour la retirer ensuite. L'étape numéro 2, ce sera l'ajout des plantes. À laisser, je pense, pendant plusieurs semaines aussi en eau. Et l'étape numéro 3, ce sera l'ajout des poissons. Bonjour, c'est moi. Donc, la suite. Premier changement d'eau. L'idée, c'était de faire un peu mariner le plastique pendant une semaine. Et du coup, maintenant, je change l'eau. Bon, eh bien, c'est allé plus vite que prévu, mais j'ai récupéré des plantes et des guppies. Alors, je sais pas si on va les voir parce que, bien sûr, ils sont noirs et le fond est noir pour l'instant. Donc, j'ai tout mis en vrac. J'ai un petit peu réempoté quand même certaines plantes. Voilà. On met ça. Hop, est-ce qu'on voit les guppies? Ah oui, on les voit un petit peu là. Je sais pas si on les verra sur la vidéo. Un petit peu, j'en ai un qui mange le doigt. Alors, comme ça. C'est pas mal comme ça. Voilà, donc, bah voilà. Déjà, les nouveaux habitants depuis une semaine. Pour l'instant, comme je disais, tout est en vrac. Ok. Mais ça va pas tarder à changer parce que je vais commencer à organiser un peu tout ça. Voilà, voilà. Donc, j'ai... ce type de plante là, il va falloir que je me renseigne un petit peu sur les noms pour vous en dire un peu plus. J'ai des salsifis ici, j'ai quelques mini lentilles d'eau ici qui vont bientôt recouvrir toute la surface. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des grandes plantes qui sont au fond, mais le mieux ce serait que je vous les montre quand j'aurai mis ça en place. Alors, suite du bassin. Donc j'ai séparé les lentilles et salsifis. Ok, j'ai fait un petit aquarium inversé là. Et j'ai accroché ces plantes envahissantes au fond avec du fil et des cailloux. Un petit nénuphar. Et voilà, on attend que ça pousse.
Bonjour à tous, voilà des nouvelles du bac, à peu près 15 jours après. Voilà l'installation finale. Les guppies se portent bien. Ils adorent leur aquarium inversé. Surtout ce petit mâle qui y va tout le temps. J'ai regroupé les petites lentilles autour. Voilà. Bon, il y a beaucoup de reflets de lumière, mais... les plantes se sont pas mal installées. Et j'ai eu des bébés guppies. Merci pour avoir regardé et donnez-moi des news de vos propres bassins.